Alors, on vient de réaliser l'examen de la victime et on en arrive au résultat que cette personne, elle est inconsciente et elle ne respire plus. Le geste technique qu'on va devoir réaliser, c'est un massage cardiaque. Alors, on appelle communément ça un massage cardiaque. Techniquement, on appelle ça une RCP, réanimation cardio-pulmonaire. Pourquoi faire ce massage cardiaque? Pourquoi mettre en œuvre ce massage cardiaque? La personne qui ne respire plus, son cœur ne fonctionne plus ou plus correctement. Donc on va immédiatement, se substituer au fonctionnement automatique de ce cœur, qui est une pompe qui fait circuler le sang, d'accord, de façon à pouvoir anticiper justement la circulation de ce sang, puisque dans le sang, on a des petits wagonnets qui transportent de la matière, c'est ce qu'on appelle nos globules, et ces globules transportent de l'oxygène pour aller oxygéner la victime, et notamment principalement le cerveau, qui est l'unité centrale qui gère beaucoup de choses sur le corps humain. Donc ce massage cardiaque, il a cette fonction. Comment allons-nous le réaliser? Eh bien, on va placer cette zone-là, qu'on appelle le talon de la main, au milieu du sternum. Voilà, au milieu du sternum, au centre de la poitrine, tout simplement. On va placer notre deuxième main en entrecroisant nos doigts sur la première. Ça a pour effet de relever un peu les doigts et d'éviter d'appuyer un peu sur les côtes. On va se positionner bien à l'aplomb de la victime, les bras tendus, les coudes verrouillés. Le haut du corps doit être complètement solidaire. Un massage cardiaque ne se fait pas avec des muscles, il se fait avec de l'inertie. Qu'allons-nous faire? On va envoyer le poids de notre corps sur la poitrine de la victime. Comme ça. Ça va avoir pour objectif de comprimer sa cage thoracique. Et en comprimant sa cage thoracique, on va écraser le cœur. On va l'écraser entre deux supports, le sternum qui est au-dessus et la colonne vertébrale qui est en dessous. Et en écrasant ce cœur, on va le vider de son sang, un peu comme si on pressait une éponge pour la vider de son eau. Et ça, on va le répéter 30 fois. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et ainsi de suite. Ces 30 compressions vont avoir pour objectif de faire fonctionner manuellement cette pompe de façon à pouvoir faire circuler le sang dans l'organisme et que ce sang puisse aller livrer suffisamment d'oxygène au cerveau pour préserver ses fonctions. Une fois qu'on a réalisé ces 30 compressions, qu'on a fait avancer un peu les wagonnets, il faut réalimenter un petit peu en oxygène. Donc on va arrêter ces 30 compressions et on va réaliser 2 insufflations. La technique la plus connue pour ces insufflations, c'est la technique du bouche à bouche. Pour pouvoir faire du bouche à bouche à la victime, on va se positionner au niveau de sa tête et on va devoir basculer la tête en arrière pour libérer les voies aériennes. Ensuite, on va pincer son nez pour éviter que l'air qu'on va souffler dans la bouche ressorte par le nez, les deux canaux communiquent. Et on ne souffle pas fort, par contre il faut être étanche. Donc on va s'assurer que notre bouche couvre bien celle de la victime. Et là, on souffle. Une première. Et une deuxième. On ne souffle pas fort, ça ne sert à rien, l'air va passer normalement, librement. Et on va souffler jusqu'à ce qu'on voit la poitrine un peu se lever. Ça veut dire qu'on vient de renvoyer un petit peu d'oxygène à la victime. Et qu'est-ce qu'on va faire de cet oxygène? On va recommencer notre massage pour de nouveau le faire circuler et de nouveau aller bien oxygéner cette partie très sensible là, qui est le cerveau.